Je dois rappeler ici que les deux chefs d'État ont noté que nous avons plus de 20 milliards de volume des affaires entre les deux pays. Je pense que c'est un des volumes les plus élevés que la Chine a avec un pays africain. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que dans les panels et dans les exposés qui ont été prévus aujourd'hui, on vous a représenté la République démocratique du Congo. Ici, il faut saluer l'initiative du conseiller spécial John Numbi, évidemment, sous la conduite du président de la République. Pour la première fois, la République démocratique du Congo se présente dans ses défis et dans son potentiel devant les hommes d'affaires chinois en Chine. Et pour vous dire que cet événement est suivi en direct par des millions de Congolais qui sont restés à Kinshasa. Mais si nous le faisons, c'est parce que justement nous comptons sur la concrétisation du partenariat stratégique entre les deux pays. Il y a une dizaine de jours, j'étais ici en Chine avec des collègues ministres de la communication de l'Afrique pour parler du narratif, l'appropriation du narratif d'un pays, d'un vaste pays en voie de développement, comme aime à le dire le président Xi Jinping, et de l'Afrique, le continent qui compte le plus grand nombre de pays en développement. Pour la première fois, lorsque les gens entendent parler de la Chine ou lorsque les gens viennent en Chine, on est toujours surpris, parce que ce que nous avions entendu par les passés à travers les médias ne reflétait pas toujours la réalité. Et nous savons que sur la République démocratique du Congo, on raconte qu'il y a la guerre, on raconte qu'il y a des conflits armés, mais la République démocratique du Congo, la vraie, c'est celle qui vous a été présentée aujourd'hui. Nous avons un défi sécuritaire du fait de l'agression, mais nous avons surtout les potentiels d'être aujourd'hui les pays qui apportent des solutions aux problèmes du monde, mais qui apportent aussi des solutions aux problèmes de la Chine. On a beaucoup parlé des photovoltaïques ici, on a beaucoup parlé d'énergie renouvelable, mais je pense que les principales ressources qui concourent aux énergies renouvelables, à la production des batteries électriques aujourd'hui, viennent de la République démocratique du Congo. Alors le message qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut faire davantage. Nous avons entendu tout à l'heure les fonds chinois, mais le président de la République a dit ce matin à son homologue qu'il serait important que les banques chinoises, me disait M. Mustapha Raoudji tout à l'heure, pourquoi les banques chinoises ne prendront pas des participations dans des banques congolaises? Si nous voulons lever 500 millions de dollars pour Xinjin ou pour Kamoa, on peut avoir de ressources à ce niveau-là. Pourquoi les fonds chinois ne viennent pas ouvrir un bureau à Kinshasa? Au niveau politique, on a convenu qu'on devrait consolider le partenariat global et stratégique, et je pense qu'ici, au niveau économique, parce que ça c'est la suite de ce que les politiques ont convenu, il y a un besoin de faire davantage. Il y a un besoin maintenant de regarder les secteurs du piment, de regarder les secteurs du cacao, de regarder les secteurs de l'agriculture, parce que les piments, les cacao, les secteurs de l'agriculture représentent un potentiel économique plus grand que les potentiels miniers où les ressources peuvent s'épuiser. C'est 80 millions des terres arables, c'est 80 millions d'opportunités sur tout ce qui peut être planté et être récolté. Et ici, il y a un marché de plus d'un milliard, là-bas, il y a un marché de plus de 100 millions. Alors, je vais terminer parce qu'il ne faut pas vider la matière qui sera abordée demain. Nous aurons le privilège d'avoir le président de la République avec nous ici, par saluer la qualité des intervenants. Je ne pense pas qu'on a déjà eu un tel niveau de dialogue franc et décomplexé entre les deux pays que le président chinois a décrit ce matin comme des compagnons sur la voie de la modernisation. Même si, quand on regarde la Chine, on ne pense pas toujours que c'est un pays en voie de développement, quand on le compare à nos pays, mais cette attitude du président Xi illustre justement sa détermination de voir comment nos deux pays peuvent relever des défis communs ensemble. Alors, le seul mot, c'est de dire à tous ceux qui sont là du secteur économique,
Il faut venir visiter la République démocratique du Congo. Au-delà de ce qui vous a été dit ici, venez sur place, vous serez peut-être ceux qui investiront, j'allais dire, 100 yuan aujourd'hui en RDC, dans 10 ans, ça vaudra peut-être 10 000 yuan. Il y a un potentiel, il y a un besoin de construire plus de 50 000 km de route, plus de 50 millions de logements dans un pays qui a les capacités de remboursement, qui a une jeunesse qui est pleine d'énergie. Et donc, si vous voulez consolider les développements de la Chine ou la modernisation suivant le modèle chinois, je pense que la République démocratique du Congo est la prochaine destination. J'ai dit, je vous remercie, et en Chinois on dit xie xie. Pour la République démocratique du Congo, et nous avons tenu tous nos discours et nous avons retenu ici que dans l'ensemble, ces discours concourent à chercher, à présenter les opportunités de la République démocratique du Congo. Il faudrait que les Chinois viennent chez nous investir dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs de l'agriculture, l'agriculture même de l'industrie, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'énergie, dans les infrastructures, etc. Et nous savons bien que les Chinois sont de très bons investisseurs par rapport aux autres investisseurs, je veux dire, qui viennent d'ailleurs. Hein. Pourquoi ? Parce que eux, quand ils viennent, ils respectent le partenariat gagnant-gagnant. Oui, gagnant-gagnant. Justement, le partenariat win-win, le ministre des Médias, dans sa prise de parole tout à l'heure, il a parlé que pourquoi pas les Chinois investir dans le banque, par exemple, une manière d'accompagner la RDC dans ses partenariats gagnant-gagnant. Oui, effectivement, je vous ai dit, j'ai cité les secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, c'est le président de la République. Lorsqu'il parle de la revanche, il saute sur le sous-sol et qu'il veut la diversification, n'est-ce pas, de l'économie. Il avait fallu qu'en dehors des mines, qui faisaient de nous des grands des investisseurs à économie rentière, il faudrait maintenant ouvrir ce secteur à ce que nous appelons l'économie diversifiée, c'est-à-dire qu'on aille dans l'agriculture, qu'on aille dans l'élevage, dans la pêche, dans l'industrie, dans l'énergie. Et aussi, nous insistons sur le fait que on a besoin de financement pour que certaines entreprises congolaises puissent aussi évoluer et contribuer, n'est-ce pas, à la croissance économique dans notre pays. Alors, puisqu'il s'agit de cela, je préférerais effectivement que les investisseurs chinois puissent aussi venir investir dans les secteurs bancaires dans notre pays. Nous avons besoin de ces secteurs pour pouvoir financer les entreprises dans notre pays. Le pays a besoin des capitaux frais. Merci, professeur Bruno Tshibangu Kabaji. Je rappelle que vous êtes directeur général intérimaire de ANAPI, de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Voilà, ANAPI. Merci beaucoup. Nous sommes en train de terminer cette retransmission en direct, mais je vais prendre quand même un Congolais qui est PhD. Il est en train d'étudier. Il aura bientôt, dans quelques mois, son PhD ici en Chine. Et d'après vous, quels sont les secteurs prioritaires qui pourraient intéresser le Chinois à venir investir en RDC? Oui, merci beaucoup. Je suis PhD, comme vous l'avez mentionné. Il y a beaucoup de domaines prioritaires pour lesquels la Chine et les investisseurs chinois ont beaucoup d'intérêt pour la RDC. Le premier, c'est le secteur minier. Vous savez que les premiers partenaires dans les domaines miniers, ce sont les Chinois. Et aujourd'hui, c'était une opportunité parce qu'il y a certains Chinois qui avaient encore une certaine méfiance. Quand on parle de la RDC, ils pensent que c'est la guerre. Aujourd'hui, avec l'expérience des entreprises qui réussissent déjà en RDC, donc ça facilite l'attraction en quelque sorte. Le deuxième point, c'est le secteur de l'agriculture. En fait, le gouvernement chinois a la proposition d'investir dans les 3 années à venir sur 500 000 hectares de manioc. Alors, si nous regardons la géopolitique des terres arables en Afrique, la RDC est le plus grand
pays en termes de disponibilité de terres arables. 80 millions de terres arables. Voilà, 80 millions de terres arables, dont 10% sont seulement mises en exploitation. Alors que la Chine dispose des moyens technologiques, des moyens financiers, la formation. Donc, je pense que c'est les domaines d'intérêt pour l'avenir. Parce qu'en fait, la vocation de la Chine, c'est que c'est de trouver des débouchés ailleurs, produire et cultiver ailleurs pour l'industrie chinoise. Et la RDC a suffisamment de terres, a suffisamment des conditions météorologiques pour réaliser ces projets. Donc la RDC peut capitaliser ces domaines-là, et amener des investisseurs chinois sur son sol et faire le partage d'expérience. C'est ça, non? En retour, nous leur envoyons les matières premières, les produits vivriers et nous envoyons leur technologie. Tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui constitue l'essentiel des exportations de la RDC vers la Chine, c'est les produits miniers. Et vous avez entendu, je crois, le ministre Paluku a dit que nous voulons exporter aussi les produits agricoles. Et pour exporter les produits agricoles en Chine, on a besoin de la qualité, on a besoin du plus grand nombre. Et donc, si on arrive à produire le plus grand nombre, d'abord pour les marchés locaux, puis l'exporter vers la Chine, alors on va ouvrir facilement les portes des exportations agricoles vers la Chine. Donc ça, c'est un domaine clé. Je dirais que c'est le domaine du futur. Donc dans les 3 années à venir, c'est les domaines d'intervention sur lesquels les deux parties doivent se concentrer énormément. Et vous savez très bien que la vocation du pays, le chef de l'État l'a bien dit, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Nous sommes très longtemps appesantis sur les mines, mais aujourd'hui, c'est le moment de finir avec l'insécurité alimentaire en investissant énormément sur les domaines agricoles. Rappelez-nous, vous êtes PhD, vous appelez comment? Oh, je suis PhD, j'ai fait mon PhD en relations internationales et je m'appelle Shell Mutombo Kianga. Donc je suis, ça c'est la 5e année que je suis en Chine. Et vous parlez aussi le chinois, le mandarin? Oui, je parle chinois, j'ai fait mon master. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt là? Moi je comprends rien, j'ai pensé que vous parliez que t'étais là. En fait, je disais que je suis très heureux de participer, de voir cette organisation très importante du forum. Nous espérons qu'à l'issue de ce forum, il y aura beaucoup d'opportunités parce que les Chinois sont venus écouter les opportunités que la RDC offre et que les Congolais vont écouter les opportunités d'investissement que les Chinois offrent et qu'à l'issue de ces forums, chacun aura atteint un objectif important et ça pourra... Merci beaucoup. Nous allons peut-être avant de remettre l'antenne parce qu'il y a le journal de la mi-journée à Kinshasa. Il sera bientôt 13h30. Nous allons prendre rapidement Alicia Grasse, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de Kikwit qui est perdu ici en Chine, hein, dans l'ex-province de Bandundu. Elle est perdue parce qu'elle n'a plus de repères. Elle fait ses études ici en Chine, de journalisme. Alicia, un petit mot pour ceux qui vous suivent dans l'espace Grand Bandundu, à Kinshasa, dans les Mayombe, en Kinzamboété, dans le Congo central, et pourquoi pas dans le Kasaï à Miami, dans le Kasaï oriental, en Gandanjika, où nous avons été. Et un petit mot pour tous ces Congolais. Nous sommes en Chine, à Beijing, au Pékin. Merci beaucoup Oscar pour la parole une fois de plus. Je salue tous les Congolais de partout, de toute l'attendue de la RDC. Je nous invite à travailler main dans la main, à accompagner la vision du chef de l'État. Si jamais on veut réussir et investir et promouvoir ou valoriser l'image de la RDC au niveau international, ça commence d'abord au niveau local. On ne va pas s'attendre seulement que la main étrangère vienne nous donner le coup de main. Si on se met de main dans la main, on commence avec le niveau local. C'est en ce moment-là que nous pouvons attirer l'image et valoriser le beau pays que nous avons, la RDC. Donc, travaillons ensemble avec espoir que l'avenir sera meilleur et l'avenir va nous sourire. Merci beaucoup. Merci, Grace. Moi, je pensais que tu allais parler un peu aussi les Chinois. Oshi Alicia, ni hao gango jiren. Ça veut dire quoi? Je suis Alicia et je dis bonjour au peuple congolais. Voilà, je suis... mesdames, messieurs, je suis en train de terminer. Je prends pratiquement un dernier invité. Oui, hein? venez par ici. Je vais prendre un dernier invité, voilà. Tenez-vous là-bas et voilà, on reste là. Ok, merci beaucoup. Le DGP nous attendre un moment. Voilà, nous sommes en train de terminer cette retransmission en direct. Voulez-vous vous présenter?
Mertens Mbayo, je suis expert en finances publiques, je suis venu de l'Allemagne. Les trois dernières années, j'ai travaillé pour le compte de la GIZ au Burkina Faso pour aider le gouvernement burkinabé. Et donc vous avez quitté l'Allemagne pour venir assister à ces forums, c'est ça? Oui, je suis venu expressément pour aider notre gouvernement et leur donner l'expertise que j'ai engagée depuis plus de 30 ans. Et quels sont les outputs ou les attentes par rapport à ces forums, d'après vous? Oui, je pense que la RDC est sur une très bonne voie. Si aujourd'hui la RDC pouvait vraiment capitaliser les potentialités que les Chinois sont en train de nous offrir, et en mettant cela sous forme de loi, c'est-à-dire que, par exemple, les lois là-bas qui s'est plaignée pour le transport, même l'électricité, ils peuvent privatiser, comme vous le savez, les États-Unis, excusez-moi, nous sommes en Chine. Comparaison n'est pas raison. Oui, aux États-Unis, il n'y a pas d'entreprise d'État, les routes appartiennent au privé, les chemins de fer aussi au privé, les aéroports aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent... Donc c'est les gagnants-gagnants. C'est les gagnants-gagnants, ils peuvent demander aux Chinois de construire des barrages qui leur appartiennent et vendre l'électricité aussi à leur... Merci, nous devons rendre l'antenne. Je prends le pasteur Olangui, voilà. C'est un homme de Dieu, mais il est dans les investissements, les forums économiques. Olangui Paul David, il est dans ERC. Oui, la Chambre nationale du commerce. Et en même temps, dans la Chambre nationale du commerce. De la RDC. Nous sommes en train de terminer avec vous. Nous sommes en Chine, à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, c'est la première journée du forum économique Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Nous sommes dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que la RDC peut donner et attendre un retour de la Chine et vice-versa? D'abord, nous sommes très heureux d'abord que sur l'impulsion des deux chefs d'État chinois et congolais, en la personne de son excellent Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue chinois Xi Jinping, qu'ils ont eu ce courage de renforcer la coopération Chine-RDC. Aujourd'hui, la RDC est le pays de l'avenir, le pays incontournable où toutes les grandes puissances cherchent à venir en RDC. La Chine a compris cela depuis une bonne dizaine d'années et je crois qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qui est mis en place depuis le deuxième mandat de notre président, nous croyons que cette impulsion de ce forum va donner une nouvelle impulsion entre les relations bilatérales entre la Chine et la RDC. Et ce forum est le signe tangible que les investissements chinois seront en grand nombre en RDC. Notamment, on ne veut plus que ce soit uniquement dans le secteur minier, parce que le secteur minier a été la base de notre relation économique. Mais la Chine a plus à apporter dans l'industrialisation, notamment avec on a miniaturisé l'industrie, et la Chine, aujourd'hui, est un des pays incontournables qui peut industrialiser la RDC. De point de vue agricole, parce qu'aujourd'hui, avec tout le potentiel agricole que nous avons, nous attendons de la Chine un investissement considérable dans l'agriculture. Mais c'est une grande première quand même. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué dans moins de deux ans deux visites d'État dans ce pays des Mao. C'est quand même une grande première, hein, parce qu'il veut booster, on sent, le développement de la République démocratique du Congo par des échanges commerciaux. Oui. Premièrement, il faut comprendre une chose. La Chine est incontournable aujourd'hui. Si les grandes puissances du monde, aujourd'hui, se ressourcent en Chine, dans tous les niveaux de vie, dans tous les domaines de la vie, c'est que le Congo, aujourd'hui, ne pouvait que faire ce pas aussi vers la Chine. Arrêtons de diaboliser la Chine. La Chine est un partenaire fiable. Ces 10 dernières années, l'investissement, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a répété, l'investissement chinois a été remarquable en RDC. Et le président, par reconnaissance de cet investissement, est venu en moins d'une année, deux fois, en Chine. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et il est reçu aussi, avec son rang qu'il reçoit aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui les honneurs qu'il a eu par son homologue chinois. Cela prouve que la coopération chinoise n'ira que de progrès en progrès et de gloire en gloire et de croissance en croissance. Voilà, mais mesdames, messieurs, c'est par ici que nous terminons cette retransmission en direct depuis donc Beijing, Pékin, capitale de la République populaire de Chine. Et aujourd'hui, les deux parties, les deux délégations, la délégation chinoise ainsi que celle de la République démocratique du Congo, chaque partie a présenté ces opportunités d'investissement, question d'attirer plus de commerçants, plus d'investisseurs sur son sol. C'est ce qui a été fait. Et demain, ce sera la cérémonie de clôture. Nous apprenons que le président
président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera de la partie. Il va assister à cette cérémonie de clôture de ce forum Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Kinshasa, nous vous rendons l'antenne pour la suite du programme parce que tout à l'heure, ça sera la grande édition du journal de la mi-journée. Bonne suite des programmes sur vos télévisions et à la prochaine.